pour répondre aux besoins de financement de la balance des paiements et du budget du Tchad, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le 22 décembre de l'année dernière un nouvel accord au titre de la facilité élargie des crédits. 5 mois après l'approbation de cette facilité élargie des crédits, une délégation du Fonds monétaire international, conduite par son directeur du département Afrique, ADB, Améoro Selassie, a fait le déplacement du Tchad pour évaluer la situation économique et financière avec les plus hautes autorités. Je suis très heureux d'être ici à N'Djamena pour discuter avec les autorités hautes sur les défis que le Tchad font face. J'ai eu une très bonne réunion avec le président du conseil militaire de transition. Le président m'a exprimé les défis que le gouvernement face aujourd'hui. Tout d'abord, la situation sécuritaire, mais aussi en ce moment, une sécurité alimentaire. Nous avons discuté aussi how le Fonds monétaire international va aider le Tchad. Je lui ai assuré que nous sommes toujours disponibles pour appuyer le Tchad, toutes les réformes que le gouvernement mettra en œuvre dans ces jours-ci. Finalement, nous assurons que le Fonds monétaire va supporter le Tchad. Hein. Le séjour au Tchad de la délégation du Fonds monétaire international ayant à sa tête le directeur du département Afrique prend fin ce vendredi 27 mai 2022.